CQO, CQO, CQDX, appel sur la fréquence moniteur des Kilomac pour 14 Kilomac 3301 opérateur Rémi qui lance appel. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 km 3301 opérateur Rémi qui lance appel depuis le sud-ouest de France. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 km 3301 opérateur Rémi qui lance appel depuis le sud-ouest de France. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 km 3301 opérateur Rémi qui lance appel depuis le sud-ouest de France. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 km 3301 opérateur Rémi qui lance appel depuis le sud-ouest de France. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 km 3301 opérateur Rémi qui lance appel depuis le sud-ouest de France et qui vous propose un QSY sur le 27 625. Le 27 625, c'est parti pour moi. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 km 3301 opérateur Rémi, en fixe sur le sud-ouest de France, secteur Saint-Émilion. Salut, Dondi, 33, Robert à l'écoute, comment tu vas? Les 73 Robert, mais ça fait un petit moment que je n'ai pas pris le micro, alors j'en profite ce soir, et de ton côté, comment ça va?
bien écoute, on va dire toujours vivant avec tout ce qu'on a vécu, Hachi, mais ça me fait plaisir de t'entendre. Ça fait bien au moins 5 ou 6 mois que je ne t'ai pas entendu sur les ondes, du moins qu'on ne s'est pas copié. Hachi, bien écoute, je vois que tu as repris le pro là, que tu as repris le boulot. Retour. Ah ben plus que ça, je l'ai carrément pas arrêté du tout, et je me suis même retrouvé avec des semaines à 55 heures. Alors c'est pour dire, le confinement m'a permis de travailler encore plus que d'habitude. Ouais, ok, ben moi c'est pareil, hein. je me suis pas arrêté là avec mon pro, toujours travaillé, pas en fait de Covid, pas en fait de confinement là, au QRA, hein. Et toujours au pro. Bon, mais ça fait plaisir de s'entendre. Je croyais que tu avais raccroché un petit peu là parce que je t'entendais plus, je me suis dit, mais alors soit tu es débordé par ton pro là, et d'après ce que tu m'as dit, c'était le cas. Ah ben oui, parce qu'en plus de ça, là, j'ai été pas mal en journée, ça, bon, sur des vacations de 12 heures. Puis je jonglais entre jour, nuit, plus ce que j'ai fait à côté, là, sur Internet, tout ça, ainsi de suite. Et c'est vrai que là, ça a trouvé, ou plutôt s'arrêter pour prendre 5 minutes à prendre le micro, ça a été, ça n'a pas été possible. Puis en plus de ça, moi, je me connais, quand je prends le micro, c'est pas pour 5 minutes. Alors, comme en ce moment, le pro est pas très loin du QRA, si je prends le micro sur la route, j'ai de fortes chances d'arriver en retard. Ah, chie trois coups. Oui. Ah ben oui, j'imagine. Hein. On peut pas toujours parler à son micro tout en roulant. Hein. C'est interdit, tu le sais. Hein. Bien qu'on le fait tous, hein, tout en roulant. Ok, ben écoute, content de t'entendre. Hein. Voilà, ça fait plaisir de voir une... Oh, comment on dit, ça fait belle lurette qu'on ne s'est pas copié et qui puisait. Mais moi, j'entends plus grand monde. Il y en a certains qui ont QRT, d'autres qui sont passés en stand-by et d'autres qui reviennent. Hein. Bon, mais écoute, qu'est-ce que tu veux, hein? C'est des aléas. Ça va, ça vient, comme on dit. Voilà, mais bon, sinon, moi, toujours en opération, hein, toujours... toujours QRO sur les fréquences, là, et puis QRV sur les fréquences, voilà. Et puis toujours là, un petit peu à chasser, je chasse le renard maintenant, je suis un chasseur, comme on dit. Là, il y a pas mal de divisions qui passent ce soir, hein, Nord-France, là, Nord-Ouest, Nord-Est, pardon. Fin d'après-midi, ça a été dit sur la... Là, notre petit caillou là, de la Corse qui est passé là, sur le côté de 19h, hein, qui est passé plein pot, 9 plus 10, 9 plus 1. Donc, j'espère pour toi que tu pourras te faire de bons petits contacts ce soir. Hein. Ah d'accord, ben tu vois là de mon côté ça a été plutôt pas du tout ce que tu m'annonces là sur la QRG. Sur mon QTH c'était plutôt l'Espagne, l'Italie qui passait et c'était pas très épais. Hein. C'était assez du sporadique et pas très épais en plus. Ok d'accord, ben comme quoi. Hein. Par contre là ces jours derniers, effectivement, là, enfin, depuis quelques temps même là, c'est tous les jours et même la nuit, puisque bon quand je suis en nuit, il m'arrive d'écouter sur le web SDR de Bordeaux. Et la dernière fois, ça s'est éternisé jusqu'à la propague était là jusqu'à bien 4h30 du matin, ouais je crois, quelque chose comme ça, pour reprendre vers les 8h. Et c'est vrai qu'en ce moment c'est pas mal intéressant là, que ce soit jour comme nuit. Quoi. Mais oui, effectivement, tu as tout à fait raison. Hein. Il y a pas mal d'ouvertures. Hein. Bon, ça fait à peu près un mois et demi, deux mois que ça dure. Hein. Un mois et demi. Et tu ne trouves pas un petit peu un petit rapprochement avec le fait d'être confiné à la maison, qu'il n'y a plus de perturbations d'ondes ou autres, là, ou plus de perturbations dues à des querelles, dues à des avions et le trafic routier et tout ça. Tu t'es pas aperçu qu'il n'y avait pas un petit rapprochement entre les deux, là. Qui puis est, hein. ça voudrait dire que le fait de la pollution, on va dire, entre guillemets, électro et électromagnétique ou électro machin, tout ce que tu veux, ou même ondes perturbations routières et autres, hein, ça peut jouer un petit peu sur la propague. Hein, parce que quand même, hein, c'est la première année qu'il y a cette histoire de confinement depuis deux mois, et c'est pendant cette période de confinement que ça, les portes se sont ouvertes plus facilement. Alors bon, c'est à réfléchir un petit peu.
Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Mais en même temps, on est dans le sens montant, hein, côté propague. Quand on regarde la courbe du cycle solaire, bon, on est quand même dans le sens montant, hein, ce qui est déjà bien. Puisque si tu connais Gilles 9 Bravo Charlie 555 qui est sur l'aval maintenant, juste au-dessus ah ben ça y est, Montréal, a entendu quand même des stations françaises. Hein. Bon, il a essayé de les breaker, apparemment c'est pas passé dans ce sens-là, mais lui il a clairement entendu la France. Hein. Et le lendemain, qu'est-ce que je vois justement là sur Facebook, un OM qui annonçait justement une ouverture vers le Québec. Donc là, oui, on est vraiment dans le bon sens. Hein. Eh bien, écoute, je t'avoue que depuis que j'ai repris la radio, j'ai jamais fait un contact vers le Québec ou nos amis québécois ou autres. Hein. Mais tant mieux, hein, parce que ça fait des lurettes qu'on les a un peu entendus sur l'hexagone. Hein. Il doit y avoir peut-être 4 ou 5 ans ou 6 ans, voire plus, qui ne se sont pas manifestés sur les fréquences. Bon, mais écoute, on verra bien. Pourquoi pas? Eh bien, écoute, comme on dit, pourvu que ça s'ouvre toute sa zimite, qu'on retrouve un petit peu la courbe montante, elle est en train de remonter, peut-être, je croyais qu'on était au plus bas jusqu'en 2021, qu'on touchait le fin fond en 2020-2021, on y est en plein là. Alors si ça remonte aussi rapidement qu'on l'entend sur les ondes, eh bien tant mieux. Hein. On va bientôt plus se parler sur les QSO locaux et on pourra faire le tour de la Terre à taper la causette avec tout le monde. Ah, c'est sûr, de toute façon, quand le Québec passera chez nous, on le saura de suite. Hein. C'est des vraies pipelettes. Ah, chier. Non, mais c'est vrai que je me souviens au précédent cycle, c'est tous les jours, du matin au soir, là, on les avait en fréquence. Là, c'était vraiment excellent. Quoi. Ben, c'est pas compliqué, ça passait, ils passaient aussi fort et ils occupaient la fréquence tout autant que les Italiens ou les Espagnols. Sauf que là, pour le coup, on comprend ce qu'ils disent. Quoique, pas toujours, hein. Tout dépend s'ils veulent faire un effort de parler soit le québécois ou le français canadien. Hein. Effectivement, ouais, comme tu dis, oh, c'est pas évident. Il faut être trilingue, je pense, pour faire de la radio. Hein. Savoir parler espagnol, anglais, qu'est-ce qu'il y a, italien, parce que les Italiens aussi, ça c'est plein pot là. Oh là là, qu'est-ce qu'ils nous en mettent plein la gueule. Hein. Ces derniers temps là, c'était atroce. Mais bon, on se fait toujours plaisir de, quand on tombe sur des stations qui parlent un petit peu le français, de taper la causette. Hein. Bon, mais voilà, tu vois, on a fait le tour là, un petit peu de la propagande pour ces derniers temps, et pourvu que ça dure. Hein. Moi, pour ma part, je prends plaisir à refaire de la radio un petit peu, et à un petit peu aiguiser mes cordes vocales là sur les ondes. Si tu vois ce que je veux dire, si. Ouais, tout à fait, et puis moi c'est pareil d'ailleurs. Par contre là j'ai lu un article là, sur internet justement montrant que là on a eu une activité solaire des plus fortes là en ce moment. C'est justement au point d'en faire un article hein, puisque c'est sur je sais plus le nom du site. Qui est en rapport avec tout ça, je me souviens plus du nom, bon, peu importe. Et justement, là, il montrait des photos de l'activité solaire qui est assez impressionnante. Ah, mais d'où l'ouverture de la couche E et F, surtout la couche F, là, qui s'ouvre, l'ionisation de cette couche-là, due à ces activités. Mais écoute, des fois, c'est l'effet inverse, des fois, c'est l'effet propice. Et je vois qu'en ce moment, c'est plutôt l'effet propice que l'effet inverse. Ah oui, des contacts à plus de 1000 km, si je prends mon carnet de trafic, en l'espace de 2 mois, j'ai dû en faire pas mal. Que ce soit bon, les métropoles françaises, bon, la Réunion, là, c'est pratiquement tous les jours de toutes les semaines qu'on arrive à faire la Réunion. Hein. Il suffit d'être là au bon moment. La Guyane française, c'est pareil. Il passe pratiquement toutes les semaines. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah si, il y a le Cap Vert. J'ai fait le Cap Vert, tu vois, pour te dire une fois. Oh, il y a de quoi s'amuser.
Effectivement, bon, mais écoute, hein, il faut être là au bon moment, à la bonne heure, hein, mais bon, tout le monde ne veut pas y être, hein, moi le premier. Oui, voilà, c'est ça. Et puis c'est vrai que moi, jongler entre la nuit, le jour, sur des vacations de 12 heures, c'est pas évident. Hein. C'est d'ailleurs, tu vois, là, tout le week-end, là, je retourne au boulot. Hein. Y a que là, ce soir, là, que je peux en profiter. Hein. Oui, ça y est, ça me revient. Le site, c'est Futura Science. Y a pas mal d'articles intéressants dessus. Futura Science. Voilà, c'est là-dessus que j'ai vu ça. Je prends note, Futura Science. Écoute, j'irai faire un tour, parce que c'est toujours intéressant d'aller voir un petit peu ce qui se dit de droite, de gauche. Ok, c'est noté, voilà. Et bien, écoute, oui, ce soir, c'est de faction quand même, là. T'as le coup ou tu vas aller là-dessus, là ? C'est t'as pu laisser parler un peu derrière pour voir en quelle langue ça parlait. Non, là, je suis au QRA ce soir. Donc sur le site la Futura Science, tu trouveras des articles sur la NASA, sur Mars, sur qu'est-ce que j'ai vu là, les éruptions d'un trou noir, qu'est-ce que j'ai vu aussi là, sur les trucs exoplanètes. Il y a pas mal de trucs intéressants quand même dessus. Hein. Non, mais là ce soir je suis en repos, je reprends demain soir. Attention, mon ami de France, tu vois côté l'Espagne. Si vous dites l'Espagne. Et l'Espagne qui râle derrière. Ouais, au cap. Oui, l'Espagne, bonsoir. 73-51, opérateur Robert en compagnie de l'opérateur Dundee sur la ville de Bordeaux, le département 33, en retour. Attention, mon ami, si vous écoutez l'Espagne, attention, Charlie, ici de l'Espagne. Oui, Charlie, sud-Espagne, je copie 100%, hein, ok? Ah oui, 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 ça, ah oui, oui. Oui, 100% François, la ville de Séville en Espagne, 71-51, je suis en compagnie de Dundee, là, à qui je retourne le micro, à toi Denis. Ok, ben moi c'est très sporadique de mon côté et très fouillant en même temps, puisque là je ne sortais pas, donc difficilement, je me fie un petit peu à toi. Les 73-51, la station de Séville, d'après ce que tu viens de dire, de la part de 14 Kilomike 3301, opérateur Rémi, QRZ sur le sud-ouest de France, Dundee 33. Je n'entends plus. Attention François, est-ce que vous avez une copie de Rémi sur Bordeaux ? Ah, c'est sporadique, hein. Attention Rémi, il y a beaucoup de QRM, ok. Ok, 100% QSL de mon côté, beaucoup de QRM. Eh bien, pour une fois de mon côté, j'en ai pas. Hachi. Bon, en tout cas, ça a passé de notre côté. Merci pour votre petit contact, car là, je suis pas sûr que ça va tenir bien longtemps. Là. Bon, j'entends plus. Passe à CQRP là. Ok François de Séville, retour avec ton prénom d'opérateur, enfin l'indicatif s'il te plaît là, François, pour 14 Alpha Radio 4406 Robert, en compagnie de 14 km 3301 Rémi là. Ok François, retour micro. Bon, au cas, on en était où là, Rémi ? Eh bien là, on parlait brièvement justement du site Futura Science avec les différents articles là, qu'ils ont dessus. Là. Ah ok, non, je connais pas du tout le site, hein. J'irai faire un tour là, j'ai noté, oui, tout ce qui est astronomique et autres, moi j'adore ça, hein. Je pourrais regarder ça toute la nuit, tout ce qui est NASA, les trous noirs et tout le reste là, ça c'est le genre de truc que j'adore. Hein.
J'ai pas trop le temps de m'y mettre dedans, mais le peu que je vois, c'est un régal. Ah ben tu m'étonnes. Donc voilà, sur le site Futura Science, eh bien tu as différents onglets. Et donc tu vas sur Explorer et Science, voilà tout simplement. Et là ça t'envoie sur tout ce qui est astronomie, ainsi de suite. Qu'est-ce que je vois là? Ouais, je vais rester dessus. Parce que je crois que je vais à nouveau partager là, ça, d'autres articles là, sur le forum par la même occasion. Ah ben oui, pourquoi pas. Ok pour ça. Tu te situes où, toi, sur Bordeaux? Enfin, du moins dans les environs, là, parce que tu m'as dit que tu as ton curin approximatif, bien sûr. Ah ben, je suis entre Saint-Émilion et Castillon-la-Bataille. Voilà, je suis 12 km après Saint-Émilion, 5 km avant Castillon-la-Bataille. Ah d'accord, ok, pour ça, ben oui, tu me fais du 5 à 6, 5 à 9, et c'est normal, hein, t'inquiète pas, c'est normal. Tu devrais t'en réjouir, parce que moi je suis pas loin de Bordeaux, bien sûr, mais sur la petite commune de Carignan, hein, comme je disais. Et je suis sur un versant qui arrose un petit peu tout ce qui est Saint-Émilion, Cadillac, et puis toute la région, le Jeannot de Cocumont et tout ça là-bas, tout le secteur. Hein. Et par contre, côté Bordeaux, comme je suis de l'autre côté de la colline, je n'arrose pas Bordeaux. Donc oui, j'étais étonné de t'entendre aussi bien là. Ah oui, je comprends mieux. Ah bon. Bonsoir. Ok, je suis en compagnie de Rémi là et Robert sur Bordeaux, à vous le mec. Bon, je ne m'en pas arrosé tant que ça. La station là qui a parlé, si vous voulez reprendre le micro, Robert sur Bordeaux et Rémi là sur 5 millions, au final de secteur. À vous le mec. Salut, Robert, la parole. Ou l'amoureux, je sais pas, mais bon, il y a bien longtemps, ça fait longtemps que je suis plus amoureux, hein. Avec l'âge, tu sais, on n'est plus amoureux. Oula, j'ai reconnu, mais j'oserais pas dire le prénom. Et quand on fait des noms, on est couillons. Au milieu du haut. Alors, ça va mon kiki? Eh bien écoute, je vais bien, je suis en compagnie de Rémi là, Dundee là. Enfin Rémi, pour Christian, oh, ça fait plaisir de t'entendre Christian, franchement, je suis très heureux de t'entendre sur la QRJ. À toi Rémi. Ok, les 73 Christian, j'imagine que vous devez être en petite puissance, puisque là de mon côté c'est du radio 1-2, indescriptible, hein, je vous entends parler derrière, mais sans plus, et signal 2-1 également. Même pas. 0-1. Ouais, signal 0-1 même, carrément. Ah. Voilà, de mon côté, c'est monté un signal de 1. Oui, je reprends. Rémi, c'est Christian qui trafique un portable, hein. Il est en QRP là pratiquement, un portable, il n'est pas du tout dans tout le secteur là, hein. Voilà, donc il est plutôt, on va dire, de l'autre côté de la Garonne là-bas, côté Bordeaux, je ne sais pas où. Ah si, il te salue bien sûr Rémi. En portable, eh bien il marche bien le portable, parce que bon, je suis quand même à 50 km de Bordeaux malgré tout. Oui, c'est réussi à passer un petit peu. Là, j'ai réussi. Là, justement, là, il y a eu un passage où j'ai rien eu du tout comme QRM. Et là, c'est bien passé. Hein. Il marchait bien le portable. Ah, oui, je confirme. Oui, par moment, j'ai un petit peu de mal quand même à sortir. Mais bon, ça, dans l'ensemble, ça va, j'ai globalement compris. Ah, oui, ça marchait bien. Hein. Là, j'ai pas compris, j'ai fait un retour sur Robert.
se sont retournés complètement parce qu'ils nous entendaient à tous les deux. Alors, je ne sais pas, Christian, dans quelles conditions tu as mis une verticale ou une horizontale à la retour? Oui, c'est tout. 57, un petit peu compressé au niveau de la modulation, mais attends, qu'est-ce que j'ai. Ah oui, non. Non, j'ai activé pourtant. Mais par contre, oui, 55, 56. Hein. Ah ben écoute, le couloir il est ouvert entre nous, on va pouvoir taper la causette à Chine. Voilà. Oui, il y a une colline hein, pour Dundee, là, d'Amir Rémy, là, il est plutôt du côté de à 12 km Saint-Émilion, entre Saint-Émilion et je m'en vais plus quelle ville, hein. Donc forcément, il y a une colline entre vous, là. Mais bon, ça fonctionne bien. Oh putain, je suis bien content de te copier, Chine. À toi, Rémy. Ouais, surtout que c'est vrai que là, c'est bien ce que j'avais compris, hein, il est en portable, hein, donc sur l'antenne du portable. Et c'est vrai que pour un portatif, vu la distance, c'est quand même pas mal. Hein. C'est pas un portable genre Superstar, je sais plus lequel, avec pas mal de boutons dessus. Suivant comment on le démarre, on peut l'avoir soit en portable 10 mètres ou alors avec les 27 mégas en plus. Je sens bien un portable de enfin je. Ah zut, j'arrive pas à trouver mes mots. Je crois deviner à peu près ce que c'est comme portable, si c'est bien ça. Ah non, j'étais très loin de penser à celui-là. Ok, non, mais je le connais pas. Ok, ben là, je suis en train de regarder, justement, je suis en train de refaire une petite recherche. J'ai le PC, là, qui est juste devant moi. Mais ça, Christian, c'est un portable, là, sur batterie? Ok, oui, voilà, oui, je l'ai devant les yeux là, justement. Non, c'est pas un portable comme je l'ai pensé. C'est un DK hein, qui est pas tout jeune hein, d'ailleurs. Oui, c'est ça, le Yasu FT 890. Ah, c'est une belle bête, hein, c'est vrai qu'il est sympa. Quoi. Oui, d'après ce que j'ai compris, vous avez eu que des Yasu, hein, c'est ça. Ah, j'ai du mal à vous sortir. Hein. Eh bien oui, vu la distance et puis vu le contexte, hein. Oui, Christian te disait, Rémi, que c'était la génération de Yasu sortie après le GX1, GX2, c'était la version juste après. D'accord, ok. Ok, ouais, j'ai compris. Là, ce coup-ci, c'est passé. Ouais, il ne suffit pas de grand-chose pour que vous puissiez vous entendre tous les deux. Mais bon, ça passe. Ouais, mais écoute, qu'est-ce que tu as mis comme antenne, là, Christian, là, qu'est-ce que c'est ton bout de fil que tu as mis sur l'antenne pour ta chaleur? Je
Attends, il faudrait que je bascule en horizontal, je devrais mieux t'entendre demain. Ah, c'est ça. Un petit quart d'onde comme ça. Oui, ça devrait le faire. Hein. Je crois que tu l'as mis vertical. Ok pour ça. Bon, mais tu vois qu'il s'est allé. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'on se réentende sur les ondes hertziennes. Ah si, ça fait plaisir. Bon, je sais que je vais pouvoir t'avoir. Maintenant que le couloir est ouvert là, et puis je t'entends bien en plus. Alors donc ça, pour la suite des événements, je pense que ça devrait donner. Et Robert? Oui. Et tu veux que je vous laisse tous les deux en QSO, comme ça vous pourrez basculer sur le directement en directive, puisque de toute façon moi je suis qu'en vertical. Donc moi ça me pose aucun problème, hein, au contraire. Si ça peut vous faire plaisir de basculer en directive, moi ça me dérange pas. Hein. Non mais Dandy, non mais c'est sympa de le proposer. T'es parti faire du DX ce soir, donc c'est moi qui vais te proposer de retourner sur le canal d'appel et puis faire des contacts, parce que c'est vrai que quand je pars dans un QSO, moi ça dure jusqu'à 3h du matin, donc forcément, si t'es parti pour faire du DX, je conçois qu'au bout d'un moment, ça m'aurait bien tourné le bouton. Allez, je te remercie, franchement, merci. C'est moi qui t'ai suivi sur la fréquence, hein, c'est pas toi qui m'as suivi. Donc la fréquence est tatouée, achis comme ça. Ok, Rémi, écoute, ça m'a fait bien plaisir de te copier. 14 km 3301, Rémi, Dandy. Bien content de t'avoir entendu sur les fréquences. Et puis je te dis à une prochaine et merci, merci du contact, là, merci du QSO, ça m'a fait très plaisir. Et amuse-toi bien ce soir et profite bien de la propague s'il y en a. Elle ne se casse pas la gueule avant 3h du matin. Et passez une bonne nuit, comme on dit. Peut-être une nuit blanche. Ok? Allez, je te salue et puis moi je vais avec Christian là. On a l'habitude de converser souvent sur les fréquences. Et on va repartir un petit peu plus bas, taper la causette là. Et puis on te dit une bonne fin de soirée, Rémi, amuse-toi bien. Ok, pas de problème. Robert, petite question. Bon, tu sais que je suis en sorte de promouvoir, redynamiser Assibit, ça, et puis je la montre en même temps, je montre comment ça se passe, comment les QSO se passent, ainsi de suite. Donc là, je suis en train de faire une petite vidéo. Est-ce que ça te dérange? Tu me dis oui, la vidéo passe à la poubelle, et puis point barre. Tu me autorises, pas de problème. Merci. Ok Rémi, non mais j'ai rien à cacher, pourquoi pas, hein, vas-y, fais-toi plaisir, mets ça sur les ondes, ça me fera connaître si tout le monde me connaît. Allez, 14 Alpha Radio, 4406, Robert qui te salue et qui te dit une bonne fin de soirée, bon QSO pour la suite et puis bon DX. Et puis au plaisir de te rentendre sur les ondes et qui puis hein. Tu me diras en retour rapide là, la fréquence que vous avez mis à l'époque est toujours active ou pas? Ok, merci. Les 73, Christian également. Alors, le 27-275, eh bien non, puisque les stations là sur la Gironde là, qui venaient ont visiblement décidé de plus venir dessus. Ça, j'imagine, je comprends tout à fait par manque de monde. Alors pour ma part, je me suis fait une raison pour lancer un autre QSO sur le 27-325. Voilà, quand la propague le veut bien, c'est notre fréquence moniteur au kilomic. Voilà, bon, qui est ouvert à tout le monde. Alors, ben, tant pis pour le 27-275, c'est pas grave, hein, comme j'ai tout à l'heure, je me suis fait une raison pour lancer un autre QSO à la place. Voilà, ok, merci pour tout, comme ça, là, justement, au niveau des gens qui verront la vidéo, verront que nos QSO sont intéressants. Il n'y a rien eu de quoi que ce soit de confidentiel de dit dedans, de toute façon. Merci beaucoup et bon QSO sur d'autres fréquences à vous deux. Merci, bye. Salut, salut, ok, ça marche, bye. Les Espagnols, ça pique à chier, aïe aïe aïe, comme on dit. Allez, c'est toi, Rémi, au plaisir. Ouais, j'ai noté la fréquence, je passerai vous faire des petits coucous à l'occasion, et puis en espérant que ça tourne bien. Allez, c'est toi, et puis tu peux mettre ça sur les ondes. Tu m'envoies un lien, s'il te plaît, là, pour voir comment je m'écoute sur les fréquences, là. Allez, c'est toi.
Ok, comme je ne sais plus comment tu es identifié sur, sur Internet, envoie-moi un message, ce sera plus simple, ce sera plus pratique pour moi, sinon c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin à chier trois coups. Merci beaucoup, bye bye. Ça roule, ciao. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel depuis le sud-ouest de France et vous propose un QSY sur le 27 505. 27 505, c'est parti pour moi. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, en fixe sur le sud-ouest de France, QTH, les environs de Saint-Émilion. Oui, 73-51 à vous, de la part de 14 km, 3301, opérateur Rémi, en fixe entre Saint-Émilion et Castillon-le-Bataille, sud-ouest de France. Ah ben c'est pas grave, merci pour ce petit passage, les bonnes 73 et bon QSO à vous. Oui, René. Ah non, René, non, 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 c'est Rémi, Roméo, Echo, Mike, Yankee. Rémi, indicatif 14 km 3301, QRZ local sur la Gironde, Dandy 33. Nicolas 14, Whisky Novembre 033, là, entre Duras et Marmande. Duras-Marmande. Ah, oh, mais c'est vers le sud, ça. Ah oui, Marmande, département 47. Ouais, tout à fait, ouais. Ok, d'accord, mais je sais pas si la modulation me dit quelque chose, ou alors je suis Alzheimer. C'est possible, je me souviens plus si on s'est déjà entendu sur la fréquence, mais c'est probable, hein. C'est probable, voilà, c'est retour. Ouais, je me souviens plus. Ou alors, non, j'ai dû certainement t'entendre dans ces appels, tout simplement. Parce que bon, c'est vrai qu'il y a quand même du monde sur la région, malgré tout. Attends, j'ai pas dit qu'est-ce que tu m'as dit. Ok, apparemment, il y a beaucoup de QRM là de votre côté. Du mien, pour une fois, c'est très calme ce soir. Alors je disais que je vous ai déjà entendu en fréquence, ça devait être ça. Ah mais c'est possible, ouais, je suis pas mal sur le triple 5 là, en appel, ouais, y a pas de problème Rémi, ok. Bon, meilleures salutations, j'espère que ça va, que tout se passe pas mieux, voilà, bon ouais, ok. Bon ouais, j'ai entendu l'appel, j'ai dit que je vais faire un petit tour, je vais le saluer là. Voilà, ça change un peu des opérateurs qu'on entend habituellement. Hein. Ouais, affirmatif, et merci de m'avoir répondu. Donc là, de mon côté, les conditions de trafic, bon, bah, c'est un petit Yazoo FT 450 AT. Et je suis que sur antenne verticale, une Sigma Mantova 8 qui n'est pas très haute, là, à 9 mètres de haut. Et là, je suis avec la puissance du poste uniquement. Alors, sur le papier, il marque 100 watts. Quand je regarde le Hertzmet, ça tombe plutôt à quoi que là, ce soir, il est généreux. Je sais pas pourquoi. Alors, attends que je regarde. Est-ce que je peux... Non, mais c'est bon. Je croyais... celui-ci, peut-être que j'ai un petit peu de tosse. Non, j'ai 1-1, c'est bon. Tout va nickel. Ben, ce soir, il a envie de me sortir 100 watts. Sinon, habituellement, c'est ses habitudes, c'est plutôt 90 watts. Ouais, bon, la louche, c'est ça, moi pareil, hein, ça va être à peu près 90 watts, 100 watts en pointe, là, ouais, ok, bah, ici, condition de trafic.
identique, hein, c'est le Kenwood TS450 avec la boîte d'accord. C'est l'antenne, mais c'est la même, hein, c'est le vertical, la Montova 8 Turbo, là, ma vieille antenne que je trimballe depuis des années, là, qui me tient toujours, qui me lâche pas, là, ma fidèle antenne. Là. Et puis après, niveau micro, c'est Aicom SM20. Et une petite boîte équaliseur en 8 bandes là, de fabrication ukrainienne. Retour. Ok, ben oui, non mais c'est vrai que là j'ai un peu dit n'importe quoi en disant que ce soir le poste était généreux. 450 aussi, ah tiens, hachi, coïncidence. C'est vrai qu'au niveau du micro, je suis avec un micro préampli, c'est un vieux Pan OCM 2018. Bon, c'est un micro CBI que j'ai branché là dessus via un petit adaptateur fabrication OM, c'est-à-dire d'un côté 4 broches et d'autre côté RJ45. Affirmatif, quand on est trop près, hachis trois coups. Bon, je suis un petit peu plus loin, je suis là vraiment vraiment à côté de Castillon-la-Bataille. Donc c'est presque la frontière avec la Dordogne, hachis. Ah ok, d'accord, ouais. Pardon. Ouais, tu m'arrives bien. Bon, petit signal, mais la radio est très bonne. Hein. Ouais, après, la modulation, il n'y a pas de soucis. Ok, ben écoute, je vais te laisser continuer ces petits contacts là, en espérant que la propag se lève là, peut-être du côté de la Guyane, je sais pas, à voir, on peut attendre un petit peu dans la soirée là. Sinon, ben écoute, je te dis à plus tard, si au plaisir de se recroiser sur les ondes de Rémi. Donc Rémi, j'ai pas noté l'indicatif, Rémi côté de Castillon-la-Bataille, Nicolas, 14 8 novembre 033, retour micro. Ok Nicolas, ben les 73 à vous de la part de 14 Kilomike 3301. Voilà, opérateur Rémi et Dandy 33 pour le QRZ local. Et bon QVC à vous. Ça marche, c'est noté, il n'y a pas de problème. Allez, à bientôt sur la fréquence. À bientôt, bonne soirée, bon week-end. Ciao, ciao. Ok, merci, bye.
We can do that, I guess, another time. Priority first and dead is first. And to mom and dad. So I wish you a wonderful evening, a good sleep, and hopefully you can... Here is the serial 2016 now.